Regardez l'intérieur. Super revêtement céramique. Et chips. Ouais. C'est tout ce que ça te fait quand je te dis que. Ta gueule. Dis-moi, il y aurait moyen d'être payé, puisque la dernière fois que tu m'as filé mon salaire, c'était en janvier, donc bon. Ouais, pas de soucis. Alors, qu'est-ce qu'on a fait en février ? Ouais. Bon, ok, pas février parce qu'on a rien branlé, mais en mars on a fait... On a rien foutu non plus. Alors oui, mais en avril, par contre, j'ai travaillé. Ah bon ? T'as fait quoi ? Je crois que c'était le 22, je suis sorti acheter des bières. Non mais ça compte pas, ça. Donc après, on a mai et juin. Donc acheter des clopes, ça compte pas non plus. Donc juillet, août, c'est les fameux mois où on n'a rien glandé. Hein. Et là, on est en septembre, et non, acheter des chips, ça compte pas. Ouais, donc en fait, pour que je sois payé, on est obligé de faire des vidéos. Bah ouais. Donc il faut qu'on trouve un thème de vidéo. Bah... ouais. Alors que ça fait 8 mois qu'on n'en trouve pas. Ouais, c'est ça. Plus pour les chips. C'est marrant, ça. C'est marrant. Et hop, terminé, il n'y a aucune surveillance. Regardez, ces belles pommes allumettes, ici, malin le panier. Vous pouvez laisser goûter. Putain, mais voilà, on n'a qu'à faire ça. Mais carrément. Le télé-shopping, c'est nickel en fait. Ah ouais, bien. Bah quoi? Bon, bah moi je voulais juste faire des pommes allumettes. Tu veux un verre de jus d'orange? Oh, j'aime pas trop ça le jus d'orange. Ah non, mais t'inquiète pas, ça a un bon goût de kiwi. C'est comme la carte. La carte qui... Ferme ta gueule. Tu fermes ta gueule. Et je t'ai niqué en fait. C'était goût gratin. Voilà. Nique bien ta mère. C'est énorme. Ah, j'ai grave perdu. Je pèse à peine un peu plus de 45 kilos. Bon bah McDo du coup. Oui, ça me paraît assez évident. Moi je vais prendre 3 devenus. Oh, trop bien. Tu passes la spi, c'est génial. Allez, tu peux le faire. Oui. Mais moi, tu passes la spi. Celles-là, elles sont dures à aspirer, mais moi, je suis sûr que tu peux y arriver, hein. t'es le champion, là. Oui, bon, ça aspire trop bien. T'es rentré dedans tout de suite. Oui. Regarde, il passe, il roule, il passe, il roule. Et celle-là, tu y arriveras pas. Parce que c'est vraiment marrant. Moi, je l'aime bien. Non mais mec, là c'est pas possible, t'écris jamais rien et la seule fois où je te demande de bosser un peu, tu me ponds un putain de top 5 avec un mec qui surfe sur un coussin. Alors de une, c'est un top 4, ça a rien à voir, et de deux, excuse-moi de vouloir faire rentrer un peu d'argent dans les caisses, faudrait peut-être penser à faire des vues un jour aussi, non? Faire rentrer de l'argent, je veux bien, mais pas avec des tops. Ok, bah pas de soucis, je vais faire autre chose, mais faudra pas venir se plaindre si ça a plus aucun rapport avec l'épisode, hein. Ah d'accord, donc on arrête la vidéo, là, comme ça. Mais mec, déjà de base, c'était une connerie de faire une vidéo sur le télé-shopping, tu vois bien qu'il y a rien à dire, là, c'est de la merde. Mais putain, faut au moins finir la vidéo avant de faire autre chose, je sais pas. Bah oui, d'accord, mais pour finir la vidéo, faudrait qu'on ait au moins de quoi s'acheter 2-3 accessoires. Genre là, on veut tester un produit, on peut même pas, puisqu'on peut pas l'acheter. Bon bah si tu veux, on remballe, on se pose chez moi, mais dès que t'as terminé tes conneries, on s'y remet, hein. Salut à tous, on se retrouve pour mon premier What's in my valise. Alors, what's in my valise, lol. Allez, on referme cette parenthèse sur Grand Lille TV et on dit au revoir à nos amis du nord de la France. On dit au revoir à nos amis du nord de la France. Du nord de la France. Pour enfin parler de la seule émission de téléachat avec un présentateur. Allez! Putain, ça y est, niquez tous vos nerfs, on vous paie! 150 000 boules, putain! Est-ce que c'était du fake? Non! Est-ce que tu vas avec un putain de génie? Oui! Franchement, bien joué, là j'avoue. C'est quoi, moi aussi j'ai une bonne nouvelle pour toi. Sérieux? En fait, j'ai déjà une idée de ouf pour la première vidéo qu'on fera pour eux. Putain, déjà? C'est quoi? Le téléachat. Oh, t'abuses, on peut bien faire une pause pour fêter ça, enfin je sais pas, on va boire un coup au moins. Il y a de l'eau dans le sac si tu veux. Bon, comme je vous le disais, on va parler de l'émission...